sortir des crayons comme ça. Hop, ce sera prêt. Oui, tu veux le vérifier? C'est bon? Ok. Allez, on est live, c'est bon. Ben, bonjour à toutes et à tous, c'est le dernier jour du salon, on est dimanche sur le stand D064, le stand artisan, et on va se rester ensemble pendant une demi-heure pour faire une démo de dessin. Et mon élève du jour, je te laisse te présenter et dire bonjour à tout le monde à la caméra. Aïline, un petit bonjour. Bonjour. Voilà, c'est bon, tout le monde t'a entendu. Ça va très bien se passer, Aïline. Tu sais super bien dessiner. Moi, j'ai vu ce que tu as fait et on va s'amuser ensemble. On fait comme s'il n'y avait personne et on va dessiner des fleurs. On va se faire une petite couronne de Noël. Et c'est donc des fleurs qu'on retrouve donc dans le cours Mille et une fleurs dessinées qui se situe dans la box. Voilà, la voici, juste ici, que vous retrouvez sur le stand artisan. Alors, on arrête de parler, je vous ai assez présenté cette box, vous commencez à bien la connaître. Et on va dessiner, Aïline, on prend le premier stylo. Alors le stylo, tu vois, c'est un stylo feutre fin, donc je te laisse l'ouvrir. Hop, on va l'utiliser, de la marque Faber-Castell. C'est une pointe fine, tu l'as déjà utilisé, tu connais, tout va bien. Pas de panique, ça va très bien fonctionner. Alors nous, on veut faire une couronne de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord faire les tiges. Tu sais les faire, parce que tu as déjà eu l'occasion de t'entraîner. On va faire des petites tiges, mais tu sais, je vais prendre un petit papier brouillon. Au lieu de les dessiner droites, on va les dessiner en arrondi. Donc, on va imaginer qu'on a un rond. Et on va faire des tiges en arrondi. Donc, j'en ai une, comme ça. Puis, j'en ai une autre. Une autre, et elles s'entremêlent, tu vois, et au final ça va nous faire un rond. T'essayes de le faire? Pas de panique, s'il y a un souci, on a plein de papier, on peut reprendre. Et voilà, et tu fais avec, voilà, comme ça, exactement comme tu fais ton trait, un trait super fin, tout léger et un petit peu tremblotant. Comme ça, ça donne cet aspect du végétal et on retrouve de la poésie dans le dessin. Parce que ton trait est tremblotant et tout léger. Et bien, c'est parfait. Et là, on a déjà des petites tiges qui s'entremêlent. On va pouvoir ajouter des petites ramifications à ces tiges-là. Alors, tu vois, on va simplement, à certains endroits, de manière aléatoire. Super. On les pose un petit peu n'importe où. T'hésites pas, hein. Si t'as un souci, tu me poses une question. Je te dis. Mais comme ça. Et on essaie de les positionner, voilà, un petit peu n'importe où. À différents endroits. Tu t'en sors super bien, c'est top. Génial. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben on va pouvoir mettre des petites feuilles, mais on ne va pas les mettre partout parce qu'on a un petit peu réfléchi au dessin avant et on sait qu'on va vouloir mettre d'autres choses, on va vouloir mettre des petites baies, des petites fleurs, qu'on ait une couronne hyper fournie. Et on va dessiner quelques feuilles, ben, on s'entraînait justement tout à l'heure sur les feuilles. Alors nos feuilles, c'est en fait, si je schématise, c'est ce que j'ai expliqué, mais je réexplique à tout le monde, à vous sur Facebook, YouTube et devant moi. Schématiser, c'est comme un œil. Voilà, on a une feuille. Mais nous, on veut donner cette idée du botanique, du naturel, du végétal. On veut que nos feuilles, elles aient l'air de trembler sous le vent. Et on va surtout pas faire quelque chose de trop rigide. On veut quelque chose de cette forme un petit peu, ce que j'appelle les formes patates. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout une forme rigide, mais on a quelque chose qui tremble un petit peu et une forme complètement indéfinie. Et on va pouvoir installer quelques petites feuilles, voilà, tout autour de notre couronne. Alors on en met à certains endroits. Je te laisse le faire sur ta propre couronne. Et plus nos formes sont un peu indéfinies, un petit peu patates, plus on est content du résultat parce que plus il y a de la poésie.
Super. Elles sont super tes feuilles. Bah alors n'hésite pas. Je vois que tu t'angoisses un petit peu et que du coup tu les fais toutes petites. Tu peux les grossir un peu. Il n'y a pas de souci. On peut même faire des feuilles qui soient un petit peu plus grandes, d'autres un petit peu plus petites. C'est aussi ça qui va rajouter de la profondeur à ton dessin et le rendre intéressant. C'est-à-dire qu'il va y avoir des feuilles toutes petites et puis des feuilles beaucoup plus grandes. Et voilà, toujours un petit peu tremblotante. Et là, c'est super joli. Bah, tu peux même faire des feuilles encore plus grandes. Alors moi, je l'ai fait, là, je m'en rajoute. Hop ! T'angoisses pas, hein, tu peux les faire encore plus grandes. Je sens que t'as un peu de mal à les agrandir. Mais c'est normal, c'est ta première couronne. Voilà, c'est génial. Et on va mettre une petite nervure centrale. Alors, on essaye, c'est ça. Exactement, c'est ce que tu fais, c'est super. C'est qu'on ne dessine pas un trait qui va te bout en bout, mais juste, on la symbolise avec une petite trace. Voilà, un petit trait. Et l'idée, c'est de montrer qu'il y a une nervure sans pour autant la dessiner de bout en bout de ta feuille, parce que sinon, ça va aplatir et alourdir ton dessin. C'est super comme ça. Hop, hop. Bon, pour l'instant, on est content. On va laisser ça comme ça. On a positionné les feuilles. Et maintenant, on va positionner quelques fleurs. Alors, on va choisir une petite fleur qui serait comme ça. Regarde, on va regarder. Je te montre d'abord sur le côté. Si tu veux, toi aussi, tu vas pouvoir t'entraîner ici. Et puis après, on viendra la dessiner sur notre couronne. C'est une fleur. On va lui faire un petit U comme ça. Vas-y, je te laisse faire un U. Super. Sur ce U, on va pouvoir mettre des petites stries. Donc des petits traits parallèles, voilà, qui partent du centre, du bas du U, et qui viennent de part et d'autre. Tout à fait génial. Et là, on va mettre quelques pétales. Alors pour les pétales, on va faire cette forme-là. Donc il y a deux traits, voilà, qui partent en s'évasant, et puis comme des vagues en haut. Super. Et là, on a vraiment toujours pareil, notre petit trait tremblotant. On n'essaye pas d'avoir quelque chose de trop symétrique, géométrique. Et on peut en faire les superposer. Voilà, on va en superposer et ça va donner de la profondeur à notre dessin. On refait la même forme. Et il faut vraiment, regarde, essaie comme moi de les décaler un petit peu. C'est-à-dire que tu ne superposes pas exactement, tu fais comme si tu décalais un petit peu. Et là, j'ai mes vagues, elles ne sont pas exactement au même endroit, tu vois. Elles s'entrecroisent. Et on peut en rajouter. Et ça peut dépasser complètement. Hein. Et on peut en faire plein. Voilà, tu commences là et puis tu continues en allant beaucoup plus loin, par exemple. Continue, continue et hop, tu ramènes. Vas-y, ouais, super génial. Et on peut faire ça de part et d'autre et ça donne de l'ampleur. On a vraiment les pétales qui s'ouvrent et c'est aussi la magie du dessin, elle se situe là-dedans. Alors regarde, on en a fait une, c'est bon, on dit qu'on sait les faire, on est super forte. Et on va pouvoir continuer en faire tout autour de la couronne. Alors, tu vois, on a des ramifications qu'on a laissées vides. Et bien, c'est là qu'on va poser nos fleurs. On va faire un petit U. Des petites lignes parallèles qui partent du centre. Génial. Et on va positionner nos pétales. Et là, tu vois, regarde, quand tu regardes mon dessin, ben, je dépasse, je positionne mes pétales sur le dessin que j'avais déjà fait il y a 10 minutes. Et c'est pas grave du tout, au contraire, c'est ça qui fait tout s'entrecroise et c'est ça qui donne la magie à ton dessin. Donc tu t'angoisses pas et tu peux venir faire plein de pétales. Hop. Allez, je continue. Moi, j'avance sur ma couronne. Je te laisse avancer sur la tienne parce que tu te débrouilles hyper bien. C'est trop mignon. C'est super joli. Est-ce que ça va? Oui. Tu t'en sors? Oui. Tu te sens bien? Tu te sens à l'aise? T'es chez toi?
C'est comme si tu étais devant ton écran avec moi, sauf que je suis en vrai. Hop. Allez. On en fait plusieurs. Elles sont vraiment trop mignonnes. Tu t'en sors super bien. T'as un coup de crayon incroyable, Aileen. Et tu peux en mettre, bah voilà, tu l'as déjà fait, tu es vachement en avance sur moi. On peut en mettre à l'extérieur, à l'intérieur, et c'est ça qui va donner plein d'ampleur à la couronne. Et une fois qu'on a fait ça sur cette petite fleur, ce qu'on peut faire, c'est rajouter quelques traits parallèles comme des stries sur les pétales, tu vois. Tu vois, on fait quelques stries et ça donne un peu de texture à notre fleur. Certains endroits. Génial. Et maintenant, je te propose la dernière chose qu'on va faire avant de passer et de voir un petit peu les autres feutres qu'il y a dans cette box et les autres techniques, c'est de faire des petites baies. Alors ça, on a vu ensemble, les petites baies, c'est facile, on va pouvoir aller vite puisqu'on a déjà tout vu ensemble. C'est des ronds un petit peu patates. Surtout pas trop réguliers. Et la petite queue. Hop. On fait juste ici, en haut du fruit. Et on peut en mettre de part et d'autre de notre couronne. Voilà, on en met de manière aléatoire un peu n'importe où. Génial. Et pour leur donner du volume, bah c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que on va pouvoir mettre des petits points à la base du fruit. Et c'est ça qui va donner à la fois de la texture au fruit et donner cet effet d'ombre et de lumière. Quelques-unes, des petits points, je te laisse faire. C'est trop joli. Est-ce que tout va bien? Oui. Tu t'en sors dans tes petits fruits, tu me dis hein, si tu as des petits soucis, mais tu n'as aucun souci. C'est top. Et je vais te montrer, on va pouvoir maintenant utiliser les feutres. Je sais pas, tu les as déjà utilisés, toi? Oui. Ceux-là? Ah bah génial. Alors, dans la box, donc avec le cours, vous avez une série de feutres, de ces teintes de gris. Il y a des gris chauds, il y a des gris froids. Et c'est une pointe. Tiens, par exemple, tu peux utiliser celui-ci. Voilà, moi je vais prendre celui-ci. Je te laisserai, bah, tu peux choisir aussi. Et c'est des feutres avec une mine super souple. C'est comme une mine pinceau. Et si on travaille très léger, on a un très fin. Et après, en appuyant, on a quelque chose de beaucoup plus épais. Et on a vraiment cette idée, c'est de l'encre de Chine, hein, le pigment de ce génial, de ce feutre-là. Et on a vraiment cette idée d'estampe chinoise. J'adore parce que la mine est hyper souple et c'est hyper agréable à travailler. Et en tant qu'illustratrice, c'est vraiment un outil que j'adore. C'est hyper joli. Alors, avec ces feutres-là, on va pouvoir rajouter quelques détails. Par exemple, sur les feuilles, eh bien, d'un côté de la nervure, avec des petits traits, quelques traits irréguliers, parallèles, on va pouvoir tout à fait rajouter quelques détails.
Alors tu peux faire avec ce feutre là, tu peux faire avec celui-ci, c'est comme le mien, j'avoue je l'adore. Oui. Parce que il est, c'est un gris qui est un peu bleu, c'est un gris indigo et il est trop trop beau parce qu'il a des reflets bleutés. Donc ça c'est un gris qui est froid et il y a des gris aussi qui sont chauds. Celui-ci c'est un gris chaud parce que il a des, il est un peu jaune, il va vers les jaunes, donc vers une couleur chaude et donc c'est ce qu'on appelle un gris chaud. Et après il y a les gris qui sont neutres et c'est des gris qui sont ni chauds ni froids, c'est qui n'ont pas de, de coloration en fait. Et on peut faire la même chose sur les fleurs, tu vois. On peut reprendre notre système de petites stries, mais sur les fleurs. Trop joli. Et toi, tu dessines des fleurs depuis quand, en fait? Depuis pas très longtemps? Oui. Depuis quand? Depuis que j'ai eu la box. Depuis que tu as eu la box, donc ça fait combien de jours? Ça fait à peine 2 jours, hein, 2-3 jours, quelque chose comme ça. Et tu es déjà en train de faire ça. Donc clairement, en suivant le cours, on peut vraiment commencer à faire de belles choses très très vite. C'est ce que tu... Il n'y a aucun souci. C'est un cours que j'ai axé pour les débutantes. Et tu peux en faire d'autres. Et par exemple, tu vois les petits fruits, et ben vraiment juste au niveau de la base du fruit, on peut faire des points qui seront un petit peu plus gros parce qu'on utilise le feutre. Ce feutre là va faire des points un petit peu plus gros. Et donc on densifie l'ombre en fait. L'ombre est plus intense si on met quelques points juste à la base. Allez, je continue sur mon dessin un petit peu. Hop. Et avec un gris, par exemple, un petit peu clair, alors tu pourrais utiliser celui-ci, ça marche bien. Hop, je vais prendre celui-ci. On va donner un peu de volume à nos tiges. Tu vois, on a fait les tiges avec le feutre très très fin. Là, et on va leur donner du volume tout simplement en repassant. Alors je dis repasser, mais en fait c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Au contraire, il faut pas repasser et être angoissé et faire être pile sur notre premier trait. Non, non. Il faut repasser en étant très détendu et au contraire, c'est un peu comme si on tournoyait autour de du premier trait qu'on a fait. On se situe un petit peu à côté et on donne de l'épaisseur à la fois aux tiges et aux petites ramifications qu'on a faites. Tu peux aussi le faire au niveau des ramifications. Et toujours avec notre petit trait tremblotant. Ça va, on le voit assez ce feutre. Tu veux que je te donne le même que le mien? Attends. Je vais donner le même que le mien, si tu veux. Il a des reflets bleus aussi. C'est le light indigo, c'est indigo clair. C'est le même, en fait. C'est la même famille que le indigo classique. Mais c'est juste qu'il est plus clair. Super. Et maintenant, je te propose de passer à la couleur. Je crois que tu n'as pas encore tenté la couleur avec la box. Alors, on va pouvoir... Hop, c'est pas grave, on va mettre ça dans un coin. Je reboucherai tout à l'heure. Rebouchez vos feutres. Sinon, ça les abîme un petit peu. Mais bon, là, on n'est pas à 2 minutes près. Alors, un peu de couleur. Alors, il s'agit des crayons de couleur aquarellables. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre de l'eau après, notamment avec le pinceau ou le réservoir d'eau. L'eau est déjà dans le pinceau.
et ça va donner des effets d'aquarelle, donc des effets de transparence, des effets de la vie, et on va pouvoir superposer les couleurs et avoir vraiment cet effet d'aquarelle. Alors il y en a plein ici, n'hésitez pas à vous servir si vous voulez les tester, s'il s'agit de crayons de couleur aquarellables, je vous les passe, servez-vous. Oui, là c'est tout, ce ne sont que des verres de la marque Faber-Castell, je vous laisse vous les faire passer. Et alors pour nos fleurs, c'est vraiment comme on veut, l'idée c'est de pouvoir choisir ces couleurs et celles qu'on aime et imaginer de jolies de combinaisons de teintes. Alors moi j'ai bien envie de partir sur du bleu. Tu veux faire quoi toi? Du bleu aussi? Ok, on fait un peu la même chose. C'est génial. Alors des bleus, là on en a plein sous la main. Et par exemple sur nos fleurs, on va venir les colorer, enfin poser la couleur. J'évite le mot colorier parce que le coloriage, souvent on se dit il faut pas dépasser, il faut être dans les lignes, alors que c'est pas du tout ça qu'il faut faire, il faut dépasser au contraire. Donc je dis plutôt poser la couleur plutôt que colorier. Et sur les pétales des fleurs, juste avec des petites hachures, on va pouvoir mettre un petit peu de couleur. Et c'est pas grave si on dépasse. Voilà, tu vois, on peut même imaginer que j'ai dessiné une énième rangée de pétales avec les crayons de couleur. Tu vois, et je rajoute de la couleur à l'extérieur. Et c'est comme s'il y avait d'autres pétales, mais de colorés cette fois-ci, qui venaient s'ajouter au dessin qu'on a fait il y a 10 minutes. Et alors là, toi, tu es avec une teinte assez intermédiaire, mais on a des bleus clairs, on a des bleus plus foncés, et on peut, par exemple, poser une couleur très foncée à la base. Je vais te la donner, par exemple, celle-ci. Et une couleur un peu plus claire au bout. Et avec le système de hachure, on va fondre les couleurs l'une dans l'autre. Donc ça, c'est quand on travaille le crayon de manière sèche, c'est-à-dire sans utiliser l'eau. Simplement avec des hachures, on peut fondre les couleurs. Alors là, il s'agit d'un bleu un peu cyan, mais tu as des bleus verts à disposition. Les bleus sont colorés. Un bleu neutre, ça n'existe pas, ou il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont toujours un petit peu colorés, soit ils tirent vers le rouge, et donc c'est des bleus un peu plus violets, ou soit ils tirent vers le vert, donc c'est des bleus qui sont un peu plus canards, par exemple. On peut utiliser même carrément du vert et venir avec des hachures poser la couleur. Donc je te laisse faire ça sur tes petites fleurs. Et moi je fais la même chose de mon côté. Et on va pas tarder à utiliser l'eau, c'est pas grave si on n'a pas fini, on aura tout le temps d'avancer. Hop, un petit pinceau à réservoir. Et si tu l'ouvres, oh là, donc tu as la pointe. Tiens, on va le tester sur notre feuille de brouillon. On va se mettre un peu de crayon de couleur. Hop. Et simplement, on vient avec le pinceau. Donc pas besoin de le tremper dans l'eau, dans notre godet, comme tu as l'habitude de faire. Et comme moi aussi, j'ai l'habitude de faire quand j'utilise pas cela. Mais on peut... Hop, on y va directement et tu vois, l'eau s'écoule. Il n'y a même pas besoin d'appuyer ou très peu de temps en temps. Et l'eau s'écoule et vient fondre nos couleurs. Alors tu vois, on peut se faire un petit test avec deux couleurs différentes de ce que ça donne. Alors si on a un bleu, voilà celui-ci, je peux prendre n'importe lequel. Puis on se rajoute alors quelque chose de complètement différent, un petit jaune par exemple. Hop, tiens, je te le passe. Je vais prendre celui-ci. On va le poser juste à côté et on va venir essayer de fondre les deux couleurs au pinceau. Hop. Alors le pinceau, pour le nettoyer, c'est avec une petite feuille de brouillon ou un petit chiffon, un petit papier, un petit sopalin par exemple, il te suffit en fait de faire comme si tu dessinais et il s'auto-nettoie.
parce qu'on vient poser le pigment qui est sur la pointe, on vient le poser sur le papier et il va s'auto-nettoyer. Hop. Et voilà. Et là, on vient fondre le bleu, enfin mettre, poser de l'eau sur le bleu, ou ton bleu vert, et faire la même, on peut le renettoyer si on veut, et faire la même chose avec le jaune, et fondre les couleurs les unes dans les autres. Et on a vraiment cet effet de transparence et cet effet de la vie. La vie, c'est quand on travaille avec beaucoup d'eau. Donc plus tu mets d'eau, plus il y a d'effet de transparence et plus les couches se voient et se superposent les unes aux autres. Et ça, c'est des techniques d'aquarelle, en fait, qui sont un petit peu simplifiées avec le crayon de couleur. On y arrive plus facilement et c'est aussi c'est ça qui est chouette. On peut nettoyer son pinceau et on va revenir à notre dessin, refaire un petit peu la même chose. Donc on va pouvoir mettre de l'eau sur, par exemple, voilà exactement nos fleurs, et retrouver ces effets. Deux bleus qui s'entremêlent les uns dans les autres. Alors tu vois là, je vois que tu étais un peu stressée, tu étais un peu crispée sur ton... C'est la première fois que tu utilisais, donc tu es bien restée à l'intérieur des lignes. Mais n'hésite pas à sortir, tu vois, moi je m'embête pas, je m'en contrefiche de mon dessin au stylo. Et je sors. Exactement. Et là, ça donne de la poésie à ton dessin. On dirait que la fleur, elle est vraiment balayée par le vent et qu'elle bouge. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus naturel. Et je peux continuer à le faire sur toutes mes fleurs. Hop. Et tu vois, comme toi, tu as dilué la couleur qui était là, eh bien, tu en as sur ton pinceau et tu peux l'utiliser directement, tu vois, venir poser la couleur sur les autres fleurs. Alors là, j'ai appuyé, j'ai fait un gros pâté, comme tu peux voir, parce que je suis venue appuyer comme une... sans aucune délicatesse. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est, allez, mettons, on veut rendre nos fleurs un petit peu plus violettes, il va falloir mettre du rouge dans notre bleu. Alors, un petit rouge, par exemple celui-ci, tu peux prendre, hop, celui-ci. Et au lieu de faire directement sur mon dessin, c'est que je prépare ma palette à côté. Donc, j'ai mon papier brouillon, je pose la couleur. Oui, désolée, ça bouge. Et je viens la chercher avec le pinceau. Je viens chercher ma couleur sur le côté. Et c'est comme si je travaille avec une palette de peinture, sauf que je suis avec du crayon de couleur. Et je viens en rajouter sur mes fleurs. Avec quelques petits points. Donc je peux en rajouter sur le bleu. Alors là, j'avais beaucoup d'eau, j'ai fait un gros pâté. Je vais reprendre une fleur. J'ai ma fleur bleue et je peux rajouter un petit peu de rouge. Moi, par exemple, exactement, tout simplement à la base. Donner un peu de l'ombre, ça va faire comme une ombre un petit peu violacée. Et comme la lumière vient du dessus, voilà exactement, la lumière elle vient d'ici finalement, et donc l'ombre, c'est normal qu'elle se situe un petit peu en dessous des pétales. Tu t'en sors super bien. Et puis là où on a des espaces libres, eh ben, on peut tout à fait rajouter des fleurs, mais que dessiner au crayon de couleur. Donc, au crayon de couleur ou directement au pinceau, allez hop, au crayon de couleur, on se refait une petite ramification, peu importe, hein, du bleu, du rouge. Je pense qu'une bleue, ce sera super joli avec ce que tu as fait. Et on se refait notre petit U, nos petites stries.
et nos pétales. C'est super comme ça. Super. Et revenir avec le pinceau. Tu t'en sors super bien. Et je te propose de travailler un petit peu ce qu'on appelle les ombres portées. Alors, qu'est-ce que c'est une ombre portée ? C'est l'ombre que projette l'objet. Vas-y. Tu voulais ? Non. Comment ? C'était l'ombre en dessous de l'objet. Exactement, en dessous de l'objet. C'est-à-dire que il y a la lumière qui vient sur l'objet et l'objet va projeter une ombre sur le support sur lequel il est posé. Sur la table, c'est exactement ce que tu disais. Donc on va la projeter, on va utiliser par exemple, moi je fais rarement, j'ai des conseils de faire des ombres qui soient de couleur noire, parce que ça fait des ombres qui sont trop fortes et ça vient aplatir ton dessin. Donc il vaut mieux avoir des ombres dans des teintes un petit peu colorées, donc par exemple des roses très clairs, des bleus gris très clairs, donc ce petite couleur là, ce petit rose un peu nude, ça fonctionne très bien pour les ombres, je te laisse. Et moi, je vais utiliser ce petit jaune un peu ocre doré. Ça fonctionnera très bien pour les ombres. Et avec quelques stries, en dessous de mes fleurs, par exemple, sur le côté, je vais simuler une ombre portée. Et on peut faire ça sur l'ensemble des éléments de notre couronne. Donc ça peut être le long des feuilles, le long des fleurs, le long des baies. Et pour rendre cette ombre très très légère, on peut la diluer avec le pinceau. Alors mon pinceau... Toi, tu as le bon réflexe, tu nettoies direct, alors que moi, j'oubliais. Voilà, on peut venir diluer et on a vraiment cet effet de lavis et de transparence qui fonctionne très, très bien pour faire des ombres portées. C'est super. Tu peux continuer. Alors là, je vois que tes ombres portées, elles sont toutes timides, toutes petites. Alors, ça dépend en fait les ombres. Plus le soleil est bas dans la réalité, hein, si on parle technique, plus le soleil est bas, plus les ombres sont grandes et donc s'étalent. Plus le soleil est haut, plus les ombres sont petites. Nous, on se fiche un peu de la réalité. On est là pour faire un dessin un petit peu illustratif, un petit peu poétique. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas mal d'avoir des ombres peut-être un petit peu plus grandes que ce que tu as fait et de leur donner un peu d'ampleur. Je pense que ça va être assez joli. Voilà, tu peux les faire un petit peu plus larges, ne pas être trop timide. Ces ombres s'affirment, elles existent. Il faut qu'on les voit. Et comme en plus, nous, on les dessine dans des teintes très, très claires, bah, ça ne va pas écraser ton dessin. Tu vas quand même avoir quelque chose de léger et poétique, même si les ombres sont grandes. N'hésitez pas si vous voulez... Ah, c'est... si tu veux te servir, c'est les crayons de couleur aquarellables. Et je fais ça le long des objets, mais aussi le long des tiges. Simplement avec un petit trait parallèle. Donc par exemple, je te montre, ici on peut faire comme ça des petits traits juste le long des tiges, un petit trait parallèle ou des ramifications pour avoir cette ombre portée. Voilà, ça se décolle un peu du support avec les ombres. On n'a plus quelque chose de plat,
mais ça donne du volume à la couronne que tu es en train de faire. Hop. Et maintenant, je te propose, alors on revient à des choses très simples, on va plus utiliser l'eau, mais simplement de mettre un peu de couleur sur les baies avec un joli rouge, comme ça on a cet esprit festif, c'est Noël, on fait des baies rouges, on est très traditionnel. Et on a une couleur un petit peu qui a du peps. Alors par exemple, je te laisse choisir un rouge un petit peu comme ça, voilà, celui-ci ça va très bien fonctionner. Et on va poser le rouge sur les baies. Avec quelques traits. Voilà. Et c'est pas du tout grave si on colorie pas tout. Et si, tu vois ici, j'ai laissé un petit espace en blanc. Et ça aussi, ça fait comme un éclat, comme un peu de lumière sur ton fruit. Et donc, ça donne du volume. C'est comme si la lumière venait d'ici et qu'elle éclairait tellement qu'au lieu de voir du rouge, on voit quelque chose de... on voit un éclat blanc. Donc ça aplatit pas ton dessin, au contraire, ça le rend vivant et ça donne du volume au fruit. N'hésite pas à en rajouter et à faire ta composition si tu veux une couronne hyper fournie ou au contraire une couronne toute légère qui se fait toute discrète. Ça c'est à toi de choisir, c'est ton choix d'illustratrice et d'artiste. C'est ton âme d'artiste qui choisit ça. Elle est vraiment trop mignonne cette petite couronne. Voilà, je te laisse mettre de la couleur là où tu veux, si tu as envie de revenir sur des fleurs, sur des feuilles. C'est vraiment à toi de choisir. Tu as tout le temps de dessiner. Je continue à parler, mais continue à dessiner. Et donc, voilà ce qu'on a réalisé ensemble avec Aileen. Aileen a fait une magnifique couronne. On voit bien à la caméra, il me semble. Super, vous voyez bien ce qu'a pu faire Aileen et ce qu'elle est en train de continuer. T'as tout ton temps. On est tranquille, on est chez nous, il n'y a personne. On dessine, toi et moi. Je vais apporter le coca, ça va être super. Vous voyez, donc avec le cours Mille et une fleurs dessinées, on apprend très simplement à faire de jolies fleurs, donc pour vos cartes de Noël, avec le matériel Faber-Castell, les feutres fins, les feutres pinceaux, avec cette mine que j'adore, qui est hyper souple. Et puis les crayons de couleur aquarellables. Donc dans le cours, j'explique vraiment comment poser la couleur, la théorie de la couleur, comment faire des superpositions, faire des mélanges, saturer, désaturer la couleur. Vous avez aussi un crayon à papier, le taille crayon et la gomme. Donc ça c'est pour ceux qui ont un petit peu du mal, qui n'osent pas se lancer, qui veulent commencer au crayon. On vous avait le carnet pour dessiner vos fleurs. Deux carnets, vous avez un carnet brouillon et puis votre beau carnet relié, le carnet Nostalgie de la marque Moulin du Coq. On a vraiment avec Artisan sélectionné pour vous de beaux produits, de produits que moi j'adore utiliser dans ma vie d'illustratrice. Et que j'espère, je vous montre comment les utiliser et que j'espère que vous allez apprécier. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand D064, le stand artisan, si vous voulez vous aussi trouver votre box et faire vos belles étiquettes, vos belles cartes de Noël pour les fêtes, pour le printemps et pour fleurir votre vie et vos carnets et votre chez vous. On va pouvoir dire au revoir à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et sur Facebook et qui, à mon avis, ont été bluffés par ce que tu as fait. Donc, on dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Un petit au revoir. Au revoir. Et à très vite.